Coucou les filles, alors on se retrouve aujourd'hui mardi 27 juin pour un haul nose. Donc ça fait longtemps que je vous en ai pas fait un et là en l'occurrence c'est deux haul nose dans un. Donc j'ai trouvé pas mal de petites choses donc je vais vous les présenter tout de suite. Par quoi on va commencer? Bon, par des serviettes en papier, j'ai trouvé trop jolies. Elles valent 98 centimes et il y en a 20, donc du coup j'en ai pris deux paquets. J'ai pris un verre doseur à 1,99, voilà, où il y a le riz, la farine, le sucre, les liquides. 1,99, je vous l'ai dit. Ensuite, j'ai pris un support en verre comme ça avec des pieds. Je trouvais ça trop beau. La marque en plus c'est Comptoir de Famille. Et je l'ai eu à 3,99. Apparemment il y avait un autre truc qui se vendait avec. Mais moi, enfin voilà, j'ai trouvé que ça. C'était le dernier. Il m'a demandé le vendeur si je le voulais quand même. J'ai dit oui parce que moi je voulais l'utiliser en l'état. Hop, faire des petites compos avec des bougies flottantes ou je sais pas, je vais voir. Je trouvais ça très joli. Ensuite, en déco toujours, j'ai trouvé une boîte comme ça. Je la trouve super belle. Très jolie. Hop, il y en avait deux cette sorte et il y en avait une autre ronde aussi très belle. Mais celle-ci était beaucoup plus jolie, je trouvais moins. 3,99 également. J'ai trouvé un grand vase, un de plus en verre. Hop, comme ceci. Il est énorme. Ah, essayer d'éviter de le casser. 9,99 €. Magnifique. J'aime trop les vases en verre comme ça. Je trouve ça magnifique. Alors ensuite, j'ai enfin trouvé le Mr. & Mrs. que je cherchais. Hop. Mr. And. Et le and, il est là, bien sûr. Tac. Les trois pièces. Ah. 1,50 €. J'étais trop contente de tomber dessus. Ça faisait trop longtemps que je les cherchais. Je me suis dit je les trouverai jamais. Et finalement je suis tombée dessus. Donc c'est trop cool. Ensuite j'ai pris... Qu'est-ce que je vous ai pas montré? J'ai pris un ensemble de boîtes. Trop belles. En plastique. Mais je trouvais ça trop joli. Donc là il y a écrit charme. Vous voyez c'est un esprit un peu baroque. Alors cette boîte là fait 4,99 €. C'était les plus grandes, du coup j'en ai pris deux. J'ai pris en fait un assortiment. Et voilà, je vais vous montrer comment elle est faite, la boîte, si j'arrive à l'attraper. Voilà, c'est comme ça. Là on peut écrire ce qu'on a mis à l'intérieur, voilà, des deux côtés. Je l'ai trouvée superbe. 4,99 €, elle est pas mal grande. Hein. Donc super, j'en ai pris deux comme ça. Ensuite, j'en ai pris une moyenne. Hop, il est pris. Élégance. Voilà, toujours pareil. Celle-ci valait 3,50 €. Et j'en ai pris deux petites. Où il est écrit précieuse. Précieuse. Voilà. Celle-ci valait 2,49 €. Voilà, je les ai trouvées vraiment magnifiques. J'en ai laissé une moyenne. Parce que bon, ça commençait à chiffrer quand même pour des boîtes. Mais voilà, je suis franchement contente. C'est raffiné, c'est très beau. On a jamais assez de rangement, donc c'est plutôt cool. Ensuite, en objet, j'ai pris un tapis de fraîcheur pour mettre dans le frigo à 1,28 €. L'autre commence à être un peu usé. Quoi d'autre? J'ai pris de la lessive, toujours de la lessive, c'est pas de la lessive, c'est de la soupline à la rose que j'aime beaucoup à 1,50 €. Les il y a 2 litres, 60, c'est pour faire 72 lavages. Hop. 1,50 € donc. J'ai pris un livre, Les meilleurs remèdes santé d'antan. Voilà.
Format poche, donc ail, citron, vinaigre, bicarbonate, plus de 200 soins hérités de nos grands-mères, 100% efficaces et naturelles. C'est de Le Duc Édition. Donc il valait 6 euros à la base et il est passé à 1,60. Parce qu'il y avait 70% dessus. Il y avait plein de choses sur le stress, il y avait des bouquins sur le détox, pour le transit, enfin franchement, si ça vous intéresse, il y avait plein de choses. Ils étaient plutôt sympas les bouquins. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai trouvé une paire de Crocs plutôt jolie, je sais pas, j'ai bien aimé. C'était la seule paire. La marque c'est Brears Function and Fashion. La taille ils disent 41, mais je les ai essayés, ça fait pas du 41. Voilà, numéro 7 là, et là il écrit 41. Moi je fais du 39 et ça doit tailler petit. Donc voilà, c'est la seule paire que j'ai trouvée comme ça et je l'ai trouvée trop mignonne. À 2,50 € la paire. Hop. C'est ça quelque part. Ensuite, pour terminer, ouais, j'ai trouvé des housses de coussin. Trop mignonne. Ça, c'est pour Noël, hein, mais je les trouve trop belles. Voilà, le prix c'était 2,50 €. Alors, ils disent quoi? Housse de coussin 40 par 40, 100% coton, fait en Inde. Et ben, franchement, génial. Voilà. Donc, j'en ai pris un comme ça, j'en ai pris un deuxième avec du beige derrière. Trop joli. J'adore. Ça ira bien avec mon canapé, comme vous pouvez le voir. J'en ai pris un comme ça. Très très joli aussi. Hop. Et un comme ça. Que je trouve mignon. Voilà. J'ai trouvé également une trousse. Je la trouvais trop belle. Pour mettre du maquillage ou ce qu'on veut d'ailleurs. L'intérieur, elle est comme ça, avec une petite poche. Alors ça, combien c'était passé? Ça, je crois que c'était 2,99 il me semble, la trousse. Ouais, 2,99. Voilà, il n'y a pas de marque ni rien, mais je la trouve plutôt de bonne qualité. J'adore le gris et le jaune, j'aime beaucoup. C'est tout. Non. Dernière chose, un petit rouge à lèvres vitaminé à 0,75 centimes. Je vais essayer de vous montrer comment c'est de cette couleur-là que j'ai pris, mais il y avait plus foncé, il y avait du rouge, du rose, du mauve. Il est bien. C'est celui que je porte là. Il est onctueux, il est bien. Il hydrate, je pense, les lèvres. Bon, voilà, c'est tout pour ce petit haul. J'espère que vous allez tous très bien. J'espère pour ceux qui passaient des examens, là, que tout s'est bien passé, hein. Je pense que là, c'est terminé et que les vacances, approchent à grands pas. En tout cas, je pense bien fort à vous. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Gros bisous. Bye bye.